ça, ça sert à quoi tout ça? Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça? J'ai eu toutes les infos nécessaires à mon arrivée, donc tout allait bien. Et puis après, bah voilà, on est arrivé, on a pris le casse-croûte, c'était génial. Maintenant qu'on a commencé à répéter, ça se passe super bien. Vous allez faire de mes chansons. C'est toujours un grand honneur de, pour un auteur de voir ses chansons repeintes. Mais on va arrêter de bavarder, je crois qu'on a un peu de musique à faire. Donc c'est une main qui porte un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs dans la main, il connaît le chemin, il avance de mon cœur. J'ai trouvé que c'est une belle rencontre parce que c'est quand même ce qu'on attend depuis le début, c'est-à-dire de rentrer dans l'univers d'un artiste et puis tout à coup de voir la réaction de ce que ça peut lui donner comme émotion. Et c'est vrai que c'est un grand moment, ça nous permet de chanter différemment aussi parce que c'est vrai que quand il est là, c'est notre premier public et j'ai beaucoup apprécié moi cette rencontre. Vous pouvez planter des fleurs, on voulait juste les jours meilleurs. Le corps est un instrument, il faut échauffer l'instrument. Et ça, c'est tout ce qui va être enseigné par les chefs de chœur tout au long de la semaine au cœur des chansons. C'est-à-dire, moi, je fais des petites bases de mouvements et eux, après, ils gèrent à l'intérieur des chansons tout ce qu'ils ont appris avant dans les séminaires. Enfin, on a travaillé ensemble sur ça avant. Ouais, ils ont été formidables, ils sont toujours aussi professionnels. Dans l'attitude, les 900 choristes sont vraiment exceptionnels. Et l'écho des étoiles, on ne l'entend jamais. À répéter chacun en parallèle dans notre coin, l'orchestre dans son coin, la technique dans son coin, et là, on verra ce que ça donne. Le chœur, elle a vraiment répété énormément, et alors Maxime le découvre, donc il est touché lui-même aussi, et c'est poignant vraiment. C'est beaucoup de plaisir d'avoir 900 voix au bout de ses doigts. Et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. On sent vraiment que tout le monde est super motivé, que ça monte crescendo pour arriver ce soir au feu d'artifice. La semaine se termine et ben je ne l'ai pas vu passer. Et vraiment, le concert, ben c'est trop, quoi. C'est trop bien. Toujours aussi génial. Déjà, le premier jour, j'avais dit que j'avais été super bien accueilli et je suis toujours d'accord avec ça. La semaine s'est super bien passée. Il n'y a jamais eu un seul moment où je ne savais pas quoi faire. On est toujours bien guidé. Donc, c'est vrai que c'est un pur bonheur. Donc, on peut vivre notre passion et sans se poser de questions.